Désolé. Ouais, salut les gars, c'est Dil. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal, comme d'habitude. On se retrouve pour le 7e épisode de notre Let's Play sur Bully. Alors les gars, je vais être honnête avec vous. Je ne sais plus vraiment où on en est. Car en off, ça fait presque 2 semaines que j'ai pas enregistré d'épisode. Car j'avais pas vraiment de créneau. Et puis je m'étais accordé une petite pause pour être encore une fois franc avec vous. Donc écoutez, on va se relancer tranquillement dans l'aventure. On a un cours. On a un cours d'art plastique. Ça commence bien avec le crush. Toi, dégage d'ici. Ça commence à me saouler là que vous venez tous me coller. Donc, on va aller voir notre crush en art plastique. Et puis, on a 2 missions. Casse-noix. Et puis, il me semblait qu'on en avait une autre. Eh ben, écoutez, tant pis. Bon, on va commencer avec ça. Ça fait plaisir de vous retrouver, les petits potes. Là, je vous jure, ça m'avait manqué. Parce que vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Je programme mes vidéos. Alors, vous voyez ces épisodes-là en mai. Mi-mai, je crois, s'il me semble bien. Et là, j'enregistre cet épisode le 4 avril. Donc, rendez-vous compte, j'ai 1 mois et demi d'avance. Donc, voilà. Ne vous en faites pas si je vous dis qu'il y a une pause, etc. Vous avez rien vu. Mais moi, personnellement, j'ai une petite pause. Allez, je ferme ma gueule et puis on va au cours d'art plastique. Je vais aller voir ma petite prof, la crush, beau gosse. You, you, you. Ah, je vais être attentif à mes émotions pour vous, madame. Je vais les intégrer en vous, madame. Non, désolé. On va pas être hardcore, c'est un jeu de lycéen. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est... Ah oui, merci, super. Ok, j'ai même pas le temps de faire quelque chose. Bon, vous voyez, les cours, c'est de plus en plus dur. Hein. Wow. Ok. Oh, il y a la gomme là-bas. On va la jouer safe. Il y a la petite bombe là, faut qu'on fasse gaffe. Ok, j'ai pris du gel, je ne sais pas comment. On va la tenter. Faut que ça aille jusqu'au bout. Faut que ça aille dans la gomme. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur de la putain de gomme. Yes, bon, ça c'est bon. Allez, on tente celle-ci. Incroyable. Ok, il y a toujours la gomme. Il y a toujours la gomme. C'est parfait, ça. Voilà, madame, je peux pas échouer un cours. Pas devant vous, madame. Jamais de la vie. Ah, j'ai pas suivi de cours particulier, mais si vous voulez m'en proposer, c'est avec plaisir. Hein. Passer à la maison, on se boit un petit verre de vin. J'ai que 15 piges, c'est vrai. Mais regardez, Emmanuel Macron, président de la France. Il est bien sorti avec sa prof, lui, il avait 15 piges, non? C'est pas une histoire comme ça, un peu? Allez, bref. Bon, alors voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a 2 missions. On a casse-noix et tueur de plantes. Eh bien, écoutez, on va commencer par celle-ci, je la sens bien. Casse-noix. Bon, encodage en surcharge, j'ai toujours ces petits soucis, mais je crois que ça le fait pas trop en épisode. Ma foi, désolé les gars, faudrait que je reparamètre mon OBS, mais là, j'y ai pas vraiment pensé, donc j'espère que ça va pas nous le faire. Bon, on y va. Et puis on y croit, on va croiser les doigts, ça fait que 4 minutes d'épisode, faut pas que ça bug maintenant. Allez, c'est parti, on enchaîne. Commencez casse-noix, let's go. Oh, Jimmy, there you are. I've been looking all over for you. Why, Miss Peters? What's the matter? Well, you know how tonight is our Christmas pageant, right? It's kind of a pagan, spiritual, age-appropriate, loving thing we've got going on here. It's all about letting go and being really unself-conscious. Sounds like heaven, miss. Great. Well, we are about to go on stage in a couple of minutes, but our lead percussionist has appendicitis. Oh, that sucks. Guess it's gonna be a rhythm-free pageant this year. No, I've been planning this pageant for months. I have hand-sewn the costumes. I stayed up for days painting the backdrop for the stage. I've called on the good spirits to watch over us, and all the parents are now waiting in the auditorium. So what do you want me to do about it? You have to get up on that stage and play. You have to save the Christmas pageant. Are you serious? Group participation in a public performance? No way! I'm a teenage boy. No? What do you mean, no? You have to help me. Unless you plan on failing my course. What? You gotta be joking, right? Oh, come on. The only boys my age who like that kind of stuff end up dancing in musicals or working for Hollywood. Please. Do I look like I'm joking? You want another F-boy? Okay, I'll do your stupid pageant.
You know, for a hippie, you're a real bully, ma'am. Peace and love, Jimmy. Oh, and there's one other thing. You'll have to wear this. Oh, now I know you're joking. Oh, come on, Miss Peters. This is the kind of thing I'll have to talk to my therapist about when I'm older. Have a heart. I'll look like a complete moron in front of the whole school. Well, in my opinion, you'll look like the hero who saved the Christmas pageant. Yeah? Well, it's not your opinion I'm worried about. You'll be fine. Wow, génial. Et bah, ça commence bien. Genre ça, c'est une prof. Une hippie, là. You. And now for a real holiday treat, I give you the holiday medley. Yes. Yes. Oh, l'affiche, la honte. Mais je te dois quoi, moi, pour faire ça? Je te dois quoi? Noël repose sur moi, j'en ai rien à foutre. Et je dois faire quoi, là? Ok. Prêt? Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parti. Ok, ok. C'est Guitar Hero, les gars. Oh, je suis trop chaud. C'est la magie de Noël, ouais. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël du mois de mai. Merde, voilà, putain, les gars. Je raconte des blagues et je fais n'importe. Ah, je vais juste regarder pas ce let's play en fumant un ouin, genre. Ça va vous fracasser. C'est bien, Jimmy. T'as fait du xylophone toute ta vie, ça se voit. Allez, faut y mettre un terme, là. Mais c'est qui, en plus, à ma droite? C'est pas Pete? Je suis sûr que c'est Pete. Il me suit dans toutes mes conneries. Heureusement que je la connais, la Zika. Putain, les gars, faut que je me concentre. J'ai envie de regarder le spectacle à côté. Ok, c'est parfait. Le grand final. Bravo, bravo, Jimmy. Quel artiste tu es. Un vrai casse-noisette. Oh, c'est pas fini. On faut qu'on passe à... Ouais, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Pourquoi j'ai pas fait un let's play sur un jeu de bonhomme? Un petit Mortal Kombat ou Resident Evil. Avec du sang partout et avec des petits choux. C'est Noël, c'est Noël. Oh, le combo! Let's go! C'est validé ou pas? Waouh! Ah, j'ai gagné 20 balles pour ces conneries. Voilà, madame. Encore une fois, je vous dois rien. Costume de casse-noisette débloqué, c'est super, vraiment c'est le costume que j'attendais le plus dans le jeu. Allez, on change vite les idées, je parle pas trop, on enchaîne direct. Tueur de plantes, voilà, quand il y a tueur dans une mission déjà, ça me va un peu mieux. C'est parti. Quelle mission de merde. Hello? You boy, don't just stand there, come and help. What do you want, sir? Why did you send for me? I sent for you? Oh, yes, I did. Look at that plant, boy. Magnificent, isn't it? A crapula maxima fortissima.
A rare and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy! The plant, boy! Kill the plant! Oh, right. Ah ouais, on prend grave la confiance. On était prêt à faire, faire un homicide de lycéen. Ouais, génial. Enlevez tout chapeau avant d'aller à Harrington House. Faut que j'enlève mon chapeau. Oh non. Oh non, j'étais content, moi, de ma petite casquette. Bon, il neige toujours, hein, normalement. Ouais, c'est ça. Allez, on va aller enlever ce chapeau. Merde. Parce qu'en plus, je retournerai bien chez le coiffeur pour me raser le crâne comme au départ, là. Parce que quand j'ai la casquette, on le voit pas, mais j'ai la coupe brosse marron, là. Enfin, brun. Oui, vous m'avez compris, quoi. Bon, allez, on va l'enlever, hein. Du coup, j'aime pas trop ma dégaine, là. Vous voyez ? J'ai encore cette coupe. Ah non, mince. Pour faire valider. Voilà. Vous voyez, j'ai cette coupe, là. Mettez un pull Aquaberry. Ah non, encore ! Ah, faut vraiment que je remette la dégaine que j'aime le moins, quoi. Mais c'est Aquaberry. Voilà. Entrez dans Harrington House déguisé en bourge. Ouais, bah c'est bon, je suis déguisé en bourge. Et c'est où Harrington House? C'est en ville, ça, encore. Attends. Ah non, c'est dans le lycée. Ok. Et bah allez, hein. Un petit pénalty avant de rentrer. Voilà. Petit but du gauche, ça fait plaisir. On va essayer de prendre le skate sans glisser. C'est où Harrington House? On n'y est pas encore allé, ça, dans le lycée. Putain, poussez-vous tous, ça glisse déjà assez comme ça. On va pas se refaire avoir, les escaliers on connaît. Ah, c'est là Harrington House. Ah si, je crois qu'on est déjà venu prendre une photo ici. Attends, c'est pas... comment elle s'appelait déjà, elle? Mindy Derby. Ça va, bébé? Aïe aïe aïe, t'es vraiment ma go, toi, sûr, hein. T'as vu, je suis un vrai petit bourge. Je peux pas t'offrir de fleurs, tant pis pour toi. Alors, y'a quoi ici? Parlez à Biff. Ah, tu reviens encore ta raclée, toi? Trouvez la plante primée et détruisez-la. On monte à l'étage? Ok. Ah oui, on peut glisser sur les rambardes, c'est vrai. On va passer par là, peut-être. Oh, quand je vois des armures là, les gars, en ce moment. Je vous ai dit, vu qu'on est le 4 avril, je suis en plein Resident Evil 4, je me bute. Je suis actuellement à ma run hardcore. J'ai déjà fini le jeu en standard et en facile. Ok, elle était pas là, super. Donc ouais, quand je vois des armures, ça me donne envie de jouer à Resident Evil 4. Mais pour l'instant, la mission, c'est Bully. Alors, on reste sur Bully. Mais je vous invite à aller visionner le let's play de mon frangin Furax24. Bon, à l'heure où vous entendez cette vidéo, il a certainement fini depuis un moment. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de le visionner, eh ben, allez-y avec plaisir. Laissez un petit commentaire de ma part. Encore une fois, ça fera plaisir. Je rentre par où, là? Ça commence à me saouler. Ah d'accord, vandalisme, ok. Je peux monter là? Yes. Les gars, si vous voulez vous refaire un tournoi de boxe, c'est quand vous voulez. Tuer la plante avec le poison. Waouh. Oh, mais c'est pour faire des meurtres, ça. Évidemment, il y en a qui vont venir me courir après, c'est sûr. C'est bon, t'en as assez là ou... Là, t'es résistante, hein. Voilà. Ça te va?
Super, ils vont tous me courir après, forcément. Voilà, il a fermé la porte. Il a fermé à porte, non. Il a fermé soit la porte ou soit il a fermé à clé. C'est un des deux. Du poison dans votre gueule. Est-ce que ça t'affaiblit? Génial ça. Allez hop, on a des armes, on va s'en servir. Oh le bâtard, il a évité. Arrête d'éviter! Voilà. Impeccable. Putain, faut vraiment que je règle ce problème d'encodage là. J'irai voir juste après cet épisode, les gars. Je peux pas vous laisser voir un. Enfin, regarder un let's play comme ça. Après, je sais encore une fois pas si ça le fait sur le rendu. Bon, tiens, toi t'en as pris une. Voilà. Ça change la vie avec un fusil. Oui, j'appelle ça un fusil, oui, c'est vrai. Et alors? Casse-toi! Putain, l'encodage en surcharge! Ah, ça fait chier, je vous jure, ça fait chier. J'espère de tout cœur que vous le voyez pas, mais moi, en tout cas, ça me saoule. Ça ralentit pour moi, quoi. Allez, voilà. Violence avec arme, tant mieux. On s'en va. C'est bon ou pas? Le chargement est bien long là. Yes. Mais c'est bon là, c'est validé. On m'a même pas mis l'émission validée ou quoi que ce soit. Bah. Rudy, le Père Noël au nez rouge. C'est quoi ces conneries? J'ai même pas l'émission validée. Ok, très bien. Bon, il y a un petit cours de gym, on va aller faire ça. Tout le monde a la rage contre moi dans ce lycée, c'est incroyable. Je me change, monsieur, j'arrive. All right, Whips, it's time for some wrestling instruction. I got some real fun for. Là, j'aurais voulu bien voulu refaire de la balle aux prisonniers, moi. Suivez les instructions pour apprendre de nouvelles prises. Prise de catch. Voilà. Le tac. Un petit spear. On m'appelle Edge dans le milieu. Parfait. Je me relève. Faut faire que ça en fait. Se relever à deux, c'est Y. Ok. Ça, c'est un pote faillot en plus. Genou à terre, waouh, ça doit faire mal. Ah bah t'es sonné là mon petit pote. Ah ouais, magnifique ça. On va pouvoir humilier des gens avec ces prises. Vous devez vaincre et fatiguer vos prises de catch. Incroyable. Relève-toi. Relève-toi une dernière fois et on en finit, Fati. Je suis désolé. C'est que du sport. En plus, il y a ma meuf dans les pom-pom girls. Voilà, je suis désolé. Je suis aussi fort qu'une fille. Ok. Je vais te ramener des filles qui te casseraient la gueule, moi, je te le dis. Il a jamais regardé l'UFC féminin, lui. Hein. Bon, allez. J'ai arrêté de raconter des conneries. Ça me stresse ce truc de d'encodage en surcharge là, c'est pas top hein. Parce que dans le pire du pire, ça me fait peur. Si je peux pas faire de vidéo en 4K avec mon ordi, ça va me déranger là. Ça veut dire que j'aurais acheté un boîtier Avermedia pour rien quoi. Voilà, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Comment je croise les doigts pour que vous y voyez pas ça les gars. Tant pis si ça le fait en off que chez moi, c'est pas grave. En fait, ça me fait des gros ralentissements quoi. Et des saccades. Petit Père Noël au nez rouge ou un coup de main, le voleur de BD. Putain, mais il y en a plein de nouvelles. Ah, j'ai oublié de me changer.
Prête-moi ton vélo, je te le ramène, c'est promis. Allez, bon, on va faire la plus proche. De toute façon, les deux sont au même endroit, c'est cool. Il y a la police qui me cherche. Dis-moi pas que c'est encore une mission avec un clochard. Ah bah certainement oui. Certainement oui. Allez bon, on y va. Que ça se termine ces missions de Noël là. Hey Santa. Eh oui, c'est encore lui, voilà, voilà. Well, if it isn't my favorite little helper. You want a smoke? Oh no, I forgot. Little goody two shoes doesn't smoke. So what are you up to? This doesn't look like much of a workshop. I know. We gotta fix this dump up. Look through some trash cans for ornaments or any junk that sparkles. This is a classy operation. We gotta look the part. Oh, come on, man. With your whiskey breath and your weird manner, you just scream Christmas spirit to me. Of course, I do. But this dump needs to look nice. You leave it to me, Mr. Claus. Le Père Noël a besoin de décorations. Oh là, ma voix. Oh ma voix, incroyable. Trouver des décorations qui brillent, c'est ça? Ok. S'il y a que ça à faire, c'est cool. Oh non, les nains et le chien. Ah bah je pouvais pas demander mieux. Je pouvais pas demander mieux. Toute l'armada. Allez, mais laissez-moi tranquille un peu. Arrêtez. Putain, je me fais harceler. Et le chien qui veut pas me lâcher, c'est incroyable. Apportez les ordures au Père Noël. Allez, vous pouvez pas grimper de toute façon. Okay, man. Here's all the junk I could find. Nice going, kid. I think we're just about ready for business. Oh, by the way. On dirait Franck dans Shameless. You brought a camera, right? I'm afraid the elves let me down this year. Yeah, I kind of figured they would. Don't worry, I got it covered. Good. Now, go stand over there and make me, I mean us, rich. Ho, ho, ho! Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Prenez des photos lorsque les enfants se tiennent tranquilles. Ah! Ah, faut qu'il sourie! Eh ben, souris! Oh! Arrête, souris un peu! Putain! Les gars, je fais que gueuler! Souris! Oh, il souriait là! Oh non! Yes! Ok, c'est bon. Sauvegarder? Oui, bah oui. Ah mais je m'en fous, je vais pas sauvegarder. Allez voilà. Au suivant. Un petit sourire direct. Souris. Oh il souriait. Ah Imbrain, je te jure, il me faut des mini sourires. Il a pas souri là. Oh. Non, non, mais c'est dur. Voilà. Le Père Noël, il sourit pas beaucoup par contre. Allez, au prochain. Encore trois photos. T'as l'air gentil, toi, souris direct. On dirait Stromae. Voilà, du premier coup. Allez, encore deux. Oh, t'as l'air vénère, toi. Waouh, ouais, 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 t'as l'air vénère. Non, mais tu voulais prendre quand elle fait sa grimace. Oh, le souriait, le souriait. Mais. Oui, voilà. Allez, dernière. À ton tour. Oh, elle est pas commode.
Oui, mais il sent l'alcool, c'est rien, c'est normal, c'est Noël. Il a le droit de faire la fête, le Père Noël. Allez, souris. Voilà, jolie photo, parfait. C'est bon, Père Noël, c'est bon. I haven't seen this much dough since my days at the track. The track? Yeah, you know, the reindeer games, and Il me prend vraiment pour un teubé. I might be able to catch the last race. Gotta go, kid. Here's your cut. Oh, il va finir en coma éthylique ce soir, lui. $50, eh ben. Ah, je veux bien faire ça pas mal de fois, moi, pas de problème. On a combien de sous là en fait? Je sais même pas. Ok, c'est pas grave. Allez. Waouh. Eh ben voilà, j'en étais sûr. Et puis là, par contre, la police, on fait rien. Non, non. Non, non, bien sûr, on fait rien, madame. Hein, la police? On fait rien. Putain. Allez, casse-toi d'ici. Oula, 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 oula. J'enchaîne vite parce que on est en train de me chasser. Il y avait un policier à droite, je crois. Sir, are you okay? I just got robbed by a dorky kid and I'm having an asthma attack. Of course I'm not okay. Hey, I'll tell you what. I'll give you $5 and some comics if you help me get my stuff back from that punk. You got a deal. Attrapez le voleur avant qu'il n'atteigne l'école. Mais... Ah ouais. Mais poussez-vous, police. Poussez-vous. Comment on jette les œufs? Oh bah alors là. Arrête Jimmy, je vais lui mettre des patates. Il prend des grosses patates. Oh le bâtard. Il va arriver à l'école là. Allez. Allez Jimmy. Allez hop. Récupérer la BD. Oh, j'aime pas ce quartier, c'est le quartier du chien méchant. Rapportez la BD tout de suite. Attention, les accidents de voiture, c'est vite fait. On y va. Bon, là, les gars, j'ai pas l'impression que ça l'a refait là, l'encodage en surcharge. J'ai vraiment l'impression que ça se produit dans le lycée. Peut-être parce qu'il y a trop d'animation, trop de PNJ, je sais pas. Ça fait peut-être tout ramer. Ça demande à OBS de calculer trop de choses. Je sais pas du tout, je fais toutes mes théories. Là, par contre, j'ai la vie jaune, faudrait que je trouve un petit coca. Mais ouais, après cet épisode là, je vais aller regarder un petit peu en off. Parce que c'est pas cool du tout. Tiens, Greg Felspar. C'est ta BD. $30. Impeccable. Merci, boy. Je vais rester habillé comme ça, je crois, parce que je suis tout le temps obligé de... Ah, attends, je peux aller dormir, là, c'est vrai. Je suis tout le temps obligé de remettre la tenue, là, pour faire l'émission, je pense, parce qu'on est dans l'arc des bourges. Pourtant, je pensais qu'on était dans l'arc blouson noir, mais non. Ah, voilà, du cola. Soda gloop. Allez, on va dormir un petit coup. Donc ouais, je vais garder cette tenue jusqu'au prochain chapitre, hein, tant pis, même si je suis pas trop fan. Ah voilà, je peux racheter une boisson. Ah voilà, j'ai $409. Excellent. Eh oui, l'époque où ça coûtait rien du tout, les canettes. Pas là là, quelle époque regrettable. Maintenant, 2 balles, t'as une canette périmée.
Pfff, zappy quoi. Allez, on continue. 31 minutes d'épisode, c'est parfait. On avance bien, je suis content. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi cette mission? Qu'est-ce que c'est que ça? Johnny est jaloux. Ah, là c'est peut-être une mission avec un blouson noir. Ouais, ça a l'air d'être leur gang. Ouais, vas-y, vole-moi mon vélo. Vas-y, avec plaisir. Toi aussi, tu me l'empruntes et tu me le ramènes. Ok, pas de problème, frère. À tout, hein. Putain. Le voleur se fait voler. Eh oui, monsieur. So you came. Yep. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but... Yeah? And everyone is laughing at me. All of you, at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her? Who are you talking about? I bet you have. Have you had her? What are you doing? Who? Lola! That slut! That slut I love. No, man! She's cheating on me, man. I know she is. Ah, les blousons noirs, c'est des canards. D'accord. Grande surprise de ce let's play. What are you talking about? She's with that rich kid Gord. I know she is. Il s'est cru dans Grise ou quoi, lui? Will you find out for me? I can't take the suspense. Mais chante-lui une chanson. Danse devant elle. New Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera and then we'll settle this once and for all. Non mais fais comme John Travolta, danse, chante et t'inquiète, tu vas la récupérer ta meuf. Prenez des photos de Lola embrassant Gord, lui tenant la main et acceptant ses cadeaux. Ok. Ah c'est pas cool ce qu'elle fait. On n'aime pas trop ça. Vous savez très bien, dans GTA V, on a déjà eu affaire à une affaire d'infidélité. Ça nous a pas plu. On a renié notre femme jusqu'à la fin du let's play. Alors attention. On espère surtout que c'est des malentendus. Mais je veux pas vous prendre vous en photo. Oh, attention, ils peuvent me voir. Pouah, pris en flag de fou. Ok, faut pas qu'ils me voient. Tenez-vous la main pour voir. Yes. Vous tenez bien la main là. Attendez, faut que... Pas qu'il me crame. Accepte de voir ses cadeaux. C'est grave comment les PNJ de Taron, ils me fixent tous, hein. Ils ont vraiment un problème avec moi. Oh. Donnez les photos à Johnny, avec plaisir. Avec plaisir. Ah, je vous aurais bien jeté un œuf dans la gueule, mais bon. J'ai peur de me faire griller. Salut beauté. Quoi? Qui parle? C'est la petite naine qui m'a dit ça? Attends, moi je retourne en arrière, hein. On se fait un date, c'était chaud. Regarde, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Vous êtes qui? Wouah! Wouah! Bien les gars, pas vous, comment vous me protégez? Vous êtes des dingues, moi je veux rejoindre votre bande. Et faire des comédies musicales avec vous. Ah, je suis désolé mon pote, c'est. C'est la vie, hein. Respect des blousons noirs plus 5. Voilà, parfait. Il est pensif, Jimmy. Qu'est-ce qui se passe? On continue avec les blousons noirs? Là, pas. Ok, parfait. Eh ben, let's go. Hein. What's this Gord kid got that I ain't got? De l'argent. Et c'est ça qu'il a de plus que toi. Funny, des sous. Don't you? You think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I know. You're the king. But my queen is a slut. And now everybody's laughing at me. Well, not anymore. I'm not laughing. Good. Good, kid. You and me, we're gonna teach young Gord to keep his dirty paws off my woman. My queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Ah ouais, il veut que je le mette dans un coffre et... On le séquestre dans une usine. Ok. Cherchez Gord dans Bullwood Town. Absentéisme? Oh non, je vais me faire chasser encore. Eh oui, eh oui. Et ils ont plus d'endurance que les pions, eux. Qu'est-ce que ça glisse, les gars? Ça commence à me saouler que ce soit l'hiver, il neige et tout, c'est chiant.
Il est là, Gord. Provoquez Gord pour qu'il vous suive. Et bon, on sait comment provoquer les gens. Conduisez Gord. Vas-y, viens, suis-moi. Ouais, jette-moi tes œufs, je m'en fous. Vas-y, venez, au pire, j'en ramène deux pour le prix d'un. Venez. Vous savez pas ce qui vous attend. Rien à foutre de vos œufs. Tiens, il a acheté. Ah, t'as acheté sur ton pote, tu sais pas viser, va. Allez, venez, venez. Rien à foutre, rien à foutre. Suivez-moi. Attends, il est où par contre leur tête? Ok, ça peut le faire tête à pied. Ouais, ils sont grave vénères. Waouh. Waouh, mais non, mais fais pas ça maintenant, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? En plus, c'est un pote à eux, mais il est con ou quoi, lui? Allez, bref, c'est pas grave. Suivez-moi. Hop, j'en ramène 3 pour le prix d'un. C'est le grand jour du marché, mesdames et messieurs. Achetez 3 offerts. Allez, venez, voilà. Putain, c'est n'importe quoi quand même. Quel jeu de folie. Oh là là, ça va partir en vrille. Eh, mais ils aiment grave sortir avec leur cousine, eux. Pour ça que je préfère être à blouson noir, ils sont déjà moins chelous. Waouh. Aidez Johnny à tabasser les bourges. Ok. Ah, ok, ça part en couille. Ouah, ça se tape à coup de pétard. Boum boum. Jimmy, on fait rien là. On fait rien du tout. Attends, mais pourquoi je peux pas descendre de mon vélo et les taper au lance-pierre? En vrai, ce serait plus simple pour moi. Genre, je reste là et bim, lance-pierre. Voilà. Ce serait mieux, non? Voilà. Avant qu'il fasse un arrêt cardiaque, ce serait bien. Allez, tombe, toi, tombe! Voilà. Toi, tu vas en prendre une bonne. Impeccable. Ah oui, ça sera quoi? Je reste sur mon vélo, là. On fait pas trop le malin quand même avec les blousons noirs, hein. C'est que c'est des gars quand même assez space, assez vénère. Allez, on sort d'ici. Il y a un cours, mais le temps, c'est quelle heure là? Le temps que je retourne au lycée, ça va faire trop, non? 11h, ouais, ça va être fini là. Ça finit à quoi? 11h? C'est de 9h à 11h30, non? Ah, attendez. Ah, bah de toute façon, regardez. On a 2 missions au lycée. Bon, je pense pas que je vais y arriver, les gars, mais on va tenter quand même. Et en plus, je suis bloqué. Tout est parfait. Tout est parfait, je suis absolument bloqué. Ouais, non, mais ça va être fini. Y'a quoi là? Je peux pas acheter un scout, un truc. Y'a quoi ici? Ah mais non, putain, mais je suis con. C'est le skate park des loubars. On va l'appeler comme ça. Ah, ça clignote, ça va être fini le cours. Tant pis. Un scout? Les gars, un scout, je crois qu'on peut voler un scooter. Je suis quasiment sûr à 1000%. On a le BSR, voilà. Violence, hop, parfait. Oh putain, j'ai eu chaud. N'avez pas de casque, si la police vous voit, vous allez avoir des ennuis. Mais de toute façon, j'ai tout le temps des ennuis, même quand j'ai pas de casque. Là, j'ai fait une sacrée connerie quand même. Trouvez un casque et portez-le pour éviter des ennuis quand vous êtes en scooter. Ok. Les gars, ça me fait encore un codage en surcharge. Je vous jure, c'est quand j'arrive vers le lycée que ça bug. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez un scooter? Waouh, 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 ce bordel, non. Waouh, waouh. Allez hop, il s'est cassé la gueule. Enlève-toi, mais non. Putain, il y a un faillot qui m'a bloqué. Oh, vas-y, je suis dégoûté. Oh non. Ils m'ont ramené où, là, au poste de police? Ah non, ça va. Ouf, j'ai rien perdu. Bah, je crois que j'ai perdu quand même quelques trucs, non? Ah putain, le con. Vas-y, c'est pas grave. Putain.
Ah, ce gros bordel. Je vous jure, j'espère vraiment que ça bug pas, que ça rame pas pour vous, que ce soit fluide. Oh. Ah, y a pas un seul let's play sur cette chaîne YouTube qu'on a fait qui n'a pas eu de bug. Je vous jure, si on les refait tous dans l'ordre, il y a toujours eu un bug, que ce soit dans le jeu, que ce soit technique. Ah, je suis pas youtubeur, les gars, vraiment. C'est pour vous montrer. Moi, je suis vraiment un viewer à la base, comme vous, un joueur passionné. Je veux juste faire ça pour présenter les jeux qui m'ont marqué. Rien de plus. Je suis vraiment naturel, je me prends pas la tête. Allez, on enchaîne. Ah, ce gros bordel. Du mauvais côté de la ville. Ah, j'aime bien ces titres. Non, 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 vous, on va avoir des problèmes. À cause de vous, je me suis fait choper par les flics. Putain. Amigo? Johnny and his goons were hassling me about algae. En plus, il dit amigo pour me troll. C'est moi qui dis les amigos, t'es pueblo de galotes, t'es la puta des nègres. Algae and Lola? I know, it's crazy. Everyone knows algae likes blondes. Listen, find algae and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where Algie is. Who? Cornelius. You know, the scrawny kid in the acting club. He did an amazing Juliet in the school play. I think he has a 4.0 grade point average. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là? Chercher Cornelius. Il est où Cornelius? Ok. Il est dans le lycée. Bon, j'espère vraiment qu'au prochain épisode, on aura assez avancé pour que ce soit plus l'hiver. Oh non, les blousons noirs, mais on était potes, j'ai pas envie de m'embrouiller avec vous. Ah, puis il est là, l'autre Gary là! Oh, putain, non, non! Toujours là dans les embrouilles, lui, avec son gros pantalon là. Ah, laissez-le tranquille, j'aime pas quand on s'en prend aux innocents. Oh, il se tape en plus, hein. Moi, je vous dis, les faillots, c'est vraiment les boss de jeu. Ils ont grave des couilles, à chaque fois, ils se tapent. Non, pas toi! Pas toi, pas toi, je suis désolé. Faut que j'aille l'aider. Faut que j'aille Algie dans New Coventry. Oh non. Et en plus, il y a un cours. Oh non. Est-ce qu'il y a un vélo là? Ah, il n'y a pas de vélo. Oh, si seulement on pourrait voler des voitures, ce serait trop bien. Attendez. Les gars, on va y aller comme ça. Vous avez vu, on peut quand même faire pas mal de trucs, hein. Ah, je m'accroche à la voiture, hein, au cas où vous l'auriez pas vu. Ok, je lâche. Il est où, Algie? Il y a des élastiques et tout là. Attends. Prends 2 minutes. Il y a un petit élastique. On a dit que si on en trouvait sur le chemin, on récupère. Il y a un blouson noir qui veut me taper en plus. Encore des trucs là? Ben, c'est bien, j'ai perdu mon stuff à cause de la police, mais là, là on récupère, c'est bien. Oh, c'est grave la ville pauvre là. La ville des barlous ici. Eh, mais tout le monde sort avec cette meuf là, c'est grave. Je me mets en question, cousine. So, Chad, honey, listen, it's just $100. That's nothing to a man of your mind. Oh, Lola. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my phone. But Lola, I thought Will that me shut and you. Up, Fetzo? Oh, comment tu parles? Oh. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it. No, no, no. But Lola, wait. Smartass. Ridiculous. Women. Oh. Look at you both. You're pathetic. Ah, vous êtes pathétiques, les gars. She liked me. I don't believe this.
You both better get over it. Oh, no. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Why me? Algie, you take the girl's bike. Chad, you better pedal for both of us. I got a feeling I'm headed for a fight. Aïe, aïe, aïe. Chad, on lui a cassé la gueule au moins 15 fois, mais vas-y, maintenant, on l'aide. What? Well, he's gotta be around here somewhere. Let's go find him. Oh les gars, ça va se taper fort. There they are, on those bikes. Is that Algie? On a girl's bike? Oui, c'est bien Algie sur un vélo de fille, oui, oui. Mais est-ce que ça vous étonne? Okay. Oh, ce qu'il a pris de loin, lui, sacré long shot. Incroyable. Les gars, je tiens le bouton enfoncé pour charger le coup. Comme ça, ça tire plus fort. Regardez, one shot comme ça. Ça, je trouve, c'est vraiment la mission typique GTA à chaque fois. Il y en a un qui conduit et puis nous, on tire de derrière. Vous trouvez pas? Moi, si. Prends-toi ton one shot, toi. Fais attention quand même. Waouh, ah ouais, c'est vraiment du GTA tout craché, ça. Allez, hop, le pétard, c'est pour vous. Putain, ça rame. Ça rame, ça rame. Il a du mal. Hop. Qui c'est qui s'est cassé la gueule là? I think we lost them. Good. I'm getting tired. Bah laisse-moi prendre le guidon. You! Oh non, c'est un piège. Chad, step on it. Algie, vas-y, vas-y, roule. Oh, waouh. C'est bizarre en plus qu'on n'a pas de jauge de vie. Hein. Enfin, on a la nôtre, mais est-ce que ça tape dans la nôtre en fait? J'ai pas vraiment l'impression. J'ai mal visé. J'ai mal visé, j'ai mal visé. Voilà. Oh, ce qu'ils prennent, je vous jure. Y'en a pas un qui nous touche. J'aurais dû tirer dans la station essence, voir si ça explosait. Au point où on en est, de toute façon. Encodage en surcharge. Mais qu'est-ce que ça me rend là? J'espère vraiment trouver une solution pour ce problème. En tout cas, je peux pas me permettre de baisser la qualité, les gars. On a commencé en 4K, on finit en 4K, y a pas de raison. Allez, on arrive au lycée. Conduisez Algie à Ernest pour une escorte. Ah, tiens, il est là, Ernest. Comment ça, je suis pas inutile, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Et bah voilà! On avait gagné du respect pour les blousons noirs et il commence déjà à nous détester. Ça va pas tout ça. Allez les petits potes, on va aller sauvegarder. Parce qu'on a débordé un petit peu déjà, mais on a bien bien avancé, je suis content. Pour ce petit épisode 7. Que j'appellerai, je pense, blouson noir. Ça porte bien son nom car là on commence à rentrer dans le thème. Ça fait plaisir. On va garder cette tenue jusqu'au prochain chapitre. Hein. Alors qu'est-ce qu'on écrase? Tac tac, 20. Ouais, c'est celle-là. Parfait. Et ben voilà, moi en tout cas en off, je vais aller vérifier si ça vous fait des ralentissements pour vous aussi dans l'épisode. Ah parfait ça, voilà le fusil de feu d'artifice, c'est ce que je voulais. Si ça le fait pas tant mieux, c'est juste problématique pour moi. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est vous, que vous ayez une bonne qualité, une bonne fluidité. En tout cas voilà, je vais aller vérifier ça. Moi je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode
Eh bien, l'épisode 8, c'est ça, tout à fait, l'épisode 8. Prenez soin de vous, la santé et l'humour, évidemment. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao.